Martano a été considérée la petite capitale de la Grecia Salentina, où l'égrico, l'ancien dialecte grec salentino, est encore connu et parlé par les habitants et l'anophone de la ville. Autrefois, l'ancien centre historique de Martano a été défini la terre, et il rappelle la soi-disant Cora Byzantine, l'ancien village médiéval. L'élément architectural le plus important de ce village est la maison à cour, symbole incontestable de l'antique civilisation paysanne et expression d'une communauté des travailleurs. Elle représente un patrimoine architectural d'une valeur inestimable, où aujourd'hui encore, on respire l'antique odeur du Salento paysan. Autrefois, l'accès au village était garanti par des portes médiévales, désormais détruites, et situées dans l'actuelle Via Roma, la route principale de l'ancien bourg. Jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle, Martano était complètement entouré de puissants remparts, comme on peut le déduire par la présence de des sept tours défensives encore debout, qui avaient la fonction de renforcer l'enceinte murale. L'architecture de Martano présente aussi d'importants témoignages de palais et petits palais, dotés d'éléments architecturaux et décoratifs de grande valeur, comme balcons et fenêtres finement décorés, blasons appartenant à vieilles familles, portails et colonnes angulaires.